tout le monde. Je viens d'aller à ma boîte à lettres. Waouh, elle était pleine. J'étais trop contente. Enfin, c'est pas des cadeaux, hein. C'est des commandes. Enfin, il y en avait à mon fils et puis à moi. Et donc, moi, il y a une commande que j'attendais depuis un moment et mon partenariat avec cette boutique-là que j'avais hâte de recevoir. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, cette boîte, cette boutique s'appelle GBFKE. Voilà. C'est une boutique de diamond painting point de croix ou pas point de croix. Du coup, j'ai un doute. Mais je pense, parce que de toute façon, ils font toujours, ces boutiques-là, elles font toujours un petit peu de tout. Oui, voilà. Du point de croix, voilà. Mais moi... Voilà, quand ils m'ont demandé en partenariat, j'ai commencé par, me dire que j'allais leur répondre que, tout simplement que non, voilà, que ça ne m'intéressait pas. J'ai déjà des diamond painting en attente, voilà, et que là, j'ai pas... je ne sais même pas, je ne pense pas que ce soit une question de temps. C'est là, pour l'instant, enfin, je vais trop à droite, à gauche, etc. pour me poser et faire du diamond painting. Et du coup, après réflexion, j'ai été regarder un petit peu leurs accessoires. Voilà. Et là, je suis tombée sur quelque chose que j'avais déjà vu. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle pas dans quelle chaîne j'avais vu ça. Je ne me rappelle pas. Voilà, je sais qu'il y a quelques mois, j'étais tombée dessus. Et je m'étais dit, oh, bah tiens, ça fait sympa. Voilà. Mais bon, je n'ai pas fait plus attention que ça à ce moment-là. Et là, en regardant donc dans les accessoires, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc, je leur ai écrit en disant que c'était très gentil de me proposer un partenariat, mais que moi, pour l'instant, je ne voulais pas faire de diamond painting, etc. Mais par contre, que j'étais intéressée par leurs accessoires. S'ils étaient d'accord, voilà, j'avais mis ce que j'avais choisi. Enfin, non, je leur ai dit que qu'ils me répondent et qu'ils me disent le montant qu'ils m'ont loué. Donc, ils m'ont dit pas de souci, en fait. Donc, j'étais contente. Et du coup, depuis, j'attends. Et vous allez comprendre pourquoi mon impatience. Donc, voilà, cette boutique, elle s'appelle GBFKE. Alors, dans les médias, là, je n'ai pas eu de bon de réduction. Voilà, ils ne m'ont pas envoyé. Donc, je ne sais pas s'il va avoir un code promo ou pas. Voilà. En tout cas, en barre de description, vous aurez le lien pour aller dans la boutique et le lien des produits qui sont dedans. Allez, on découvre. Alors, premièrement, je continue ma collection de stylets pour le diamond painting. Alors, ça s'ouvre comment ? Bizarre leur truc. Ben non, on est obligé de tout... Bon, c'est pas grave après, vu que c'est pour moi, mais c'est bizarre leur fermeture. Voilà. Aïe. Je vais peut-être couper un peu trop court. Hop, allez. Ah. Voilà. Non, mais regardez cette beauté. Oh oh, pourquoi c'est cassé? Ah non, c'est juste... Ah, c'est juste démonté. Ah. D'accord. Ah, c'est... Ah non, bah c'est comme ça. Alors ça, c'est le bouchon. Et c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour le diamond painting, pour positionner les demi-perles. Alors, il y a plusieurs embouts, hein. Il y a des tout petits. Et après, il y a, vous voyez, du plus... hop, là, il y en a trois de tailles différentes. Et, oh, et puis, vous avez la petite spatule. Oh, ça, c'est génial. Il y a la petite spatule quand on veut... quand il y a tous les demi-paires, là, les strass, et qu'on veut tout rassembler. Et peut-être aussi, je pense qu'on peut... on doit servir aussi quand on les positionne pour les mettre bien droites. Oh, c'est génial. Bon, j'aime bien.
Mais voilà, je trouvais que c'était trop joli. Voilà, et donc voilà. Pour Noël. Voilà. Et donc, j'ai pris ça. Alors, ça, c'était le style. Donc, c'est un stylet pour DP. Voilà. Et c'était 2,89 $, je crois. Ou je ne sais plus si c'était des euros ou des dollars. De toute façon, il y aura le lien en barre de description. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment... voilà. C'était sans... Voilà, voilà. C'est ce qui vient maintenant qui est important. Il y avait tout un kit pour la résine, pour l'hypoxie. Regardez. Tout en silicone. Alors, vous avez le grand verre mesureur. Voilà. Hop. Hop. Là, vous avez des plus petits. Alors, là, ça, celui-là, il commence à 50. Celui-là, il commence à... Alors, attendez. À 10. À 10 millilitres. Voilà. Par contre, c'est vrai que... Aïe. Alors, celui-là, 10 millilitres aussi. Bah, tous, il y en a 4. Ils commencent tous à 10 millilitres. Voilà, 10 millilitres, 10 millilitres. 10 millilitres. C'est vraiment... oh là là. Là, là, donc il y en a 4. Il y a 4 petits trucs comme ça. Alors, je ne sais pas trop... Alors, il n'y a pas la contenance, c'est bien dommage. Donc, pour verser, alors je ne sais pas, c'est peut-être pour pouvoir, une fois qu'on prépare, une fois qu'on a préparé le mélange, et ben peut-être que ça permet après de dispatcher. Et puis, par exemple, si je veux, enfin, moi, je pense que j'utiliserai comme ça. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des spécialistes qui passent par là, bah dites-le moi. Voilà, moi pour ma part, comme bah, quand la première fois que j'ai fait avec celui de chez Action, où j'ai voulu faire des petites doses avec la poudre Mika, mais que du coup, bah voilà, j'avais pas de récipient, tout ça. Tandis que là, peut-être en faisant ça comme ça, après je peux peut-être dispatcher et je peux faire de couleurs différentes. Avant de mettre dans les moules. Voilà, je pense que c'est ça. Là, vous avez des ventouses, hein, des pipettes, hein, plus exactement. Et donc, ces pipettes, elles vont de 1 millilitre à 3 millilitres. Voilà. Il y en a 4. Voilà, hop. Et ensuite, non, il y en a 5. Pas 4, il y en a 5. Ensuite, vous avez les touillettes en caoutchouc. Ça, c'est super, en silicone. Voilà, puisque, ben, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour ne pas avoir de bulles, comme moi j'ai eu, ben, il ne fallait pas touiller avec une spatule en bois, mais avec une spatule en plastique. Alors, ben, je vais vérifier si ça marche ou pas. Et ensuite, il y a ça que je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hop. Voilà, c'est juste, bah, c'est comme des ballons. Enfin, c'est un petit truc en caoutchouc. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous pouvez me dire à quoi ça sert, je ne sais pas. Il y en a plein dedans. Il y a une 20, une, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a une vingtaine. Et en fait, ça fait ça. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, vous dites-le moi. Voilà, c'est un caoutchouc en fait, c'est dur là au bord et ça fait une petite, ça fait comme un petit récipient, mais on peut pas, si on le pose, ça se, voyez, ça se, donc je vois pas à quoi ça sert. Hein. Ça a sûrement une utilité, mais laquelle je sais pas. Et donc voilà, et ce kit là, il était à 15. Je crois que c'est dollars, 15,89 $. Voilà. Et là, c'est vraiment... tout est en silicone. Donc, voilà mon kit.
Donc, trop contente. Là. Et pour finir, voilà ce que j'avais vu et que j'avais trouvé que c'était trop joli. C'est des moules pour voilà, pour des marque-pages. Je trouve que c'est trop joli. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas, parce que ce n'est pas évident. Hein. Oh, non, pas sur du blanc. Une feuille noire. Sur une feuille noire, on voit. Voilà. Et donc, vous avez une où il n'y a rien. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous en avez une avec des petites fleurs. Voilà. Avec des feuillages. Là, des feuillages. Et puis là, comme des. C'est pas vraiment des feuillages. Hein, c'est des traits comme ça. Là. Mais du coup, voilà. Je veux tester ça. Et je trouvais que c'était joli, en fait. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ouais, c'est en relief, en relief, en relief. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, il faut tester. Et dans celle-là, dans la vidéo que j'avais vue, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semblait qu'elle mettait des petites fleurs séchées dedans, dans celle où il n'y avait rien. Voilà. Donc, voilà, hâte d'utiliser ça. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais que j'avais hâte du fait que ben, on venait d'avoir l'époxy à action. Et que du coup, j'avais rien comme matériel, j'avais pas de moule. Et que bah, du coup, grâce au partenariat, bah, c'est bien, ça me fait avoir le matériel mieux. Parce que bon, franchement, les récipients là, qui viennent dans le kit de chez Action, enfin, moi j'appelle ça les bouchons des bains de bouche ou des sirops des gamins. Ou j'ai réfléchi aussi après que. C'est aussi les mêmes que vous trouvez dans les, vous savez, les traitements pour les rosiers, etc. Quand il faut mettre que 10 millilitres de produit pour un litre d'eau. Voilà, c'est tout ça, c'est les mêmes bouchons. Alors, et puis c'est dur, tandis que là, voilà, c'est, voilà. J'espère que ce sera mieux. Et donc, voilà mon petit partenariat, voilà, alors, hop, GBFKE. De toute façon, je vous dis, vous allez tout trouver en barre de description. Il y aura tous les renseignements en fait. Hein. Il y aura les liens, voilà, vers tous ces produits-là. Et je vous dis, là, quand je fais cette vidéo-là, je n'ai pas de code promo. Si entre-temps j'ai un code promo, eh bien, il sera en barre de description avec le reste. Voilà. Sinon, bah, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que bah, des fois, je ne sais pas s'il y en a forcément. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des partenariats où il n'y a pas forcément de code promo personnel. En fait, c'est quand vous allez commander. Bah, des fois, il y a des promos, en fait, mais c'est que tout le monde y a droit. Donc voilà. Bah, écoutez, moi, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis hyper, hyper contente, voilà, de ce que j'ai fait venir. J'ai hâte de tout tester, de faire ma vidéo où je teste mes marque-pages. Je pense que je ne vais pas traîner à le faire parce que ça fait trop longtemps que j'ai envie d'essayer. Donc, bah, écoutez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.